Donc là, tu vois, maintenant, j'ai apprendre à dire check voyant rouge allumé. Ouais, comme une vraie checklist. Comme une vraie checklist. Verbalisée. Il est toujours allumé. Idéalement, il faudra que je le vérifie à la radio tout à l'heure, même s'il est déjà réglé. Voilà. Bon. Ok. Alors, ici, prévol, barre de traction, l'aura mettre, siège. Serré, verrouillé, rentrée symétrique, réchauffe carbu. Elle est poussée, mixture, on la met en haut, toutes les servitudes sont off, l'avionique master est off. Disjoncteur, ça n'a pas changé. L'autonomie, avec la batterie, on voit qu'on est bon. Les alarmes sont testées. Feu anti-col on. Bon, monsieur Jean-Luc, t'es prêt pour un décollage? Très prêt. Parfait. Ceinture attachée non verrouillée, pompe sur on, on tient le manche, le moteur a déjà tourné quelques minutes. On a les pieds sur les freins. On. Voilà. 3, 2, 1. Pour un complet. On va checker la radio. Radio. Je te reçois clair et fort. Moi aussi, on est sur du bon. Le voyant, il est rouge. Hein. On est à 2 minutes d'enregistrement. Logne, Fox, Kilo Yankee, piste 26 heures dégagée, on roule à Paris Aéro. Donc on va attendre que celui-ci soit bon. Pendant ça, on va faire ça. Continue. Mais au papa, on passe en base pour la 26h pour un complet. Continue. Pipeline. Menu. Catalogue. Donc on part de LF. Il va falloir nettoyer là. Donc LF. On voulait voir du... Ah voilà. Bon. Et view. Donc tu vois en fait entre SZ et le point qu'on va visiter, ouais. On a juste celui-ci. Bon, mais merci d'avoir indicié sud, mais il n'existe pas. D'accord. On est sur le premier froid vérifié. C'est bon, lui il est bon, donc on est bien. Dernier de Papa Alpha, rebonjour. Bravo, du temps, Papa Alpha, bienvenue pour Nantes-Cologne. Pour Nantes-Cologne, de retour vers Logne. En arrivée par l'Est, 12 écho dans 4 minutes. Donc, Romain Informe, piste 26 jours dégagés, roulons par Papa Alpha, via novembre Tango Unité. Bonne journée. Tout l'onboard, ça c'est fait, tout ça, radio, la type qu'on n'a pas aujourd'hui, pinule. Alors la première route, ça sera du 096. Roulons à la pompe. Fox Québec Kilo, je m'aligne 26 dur et j'attends. Là, l'information du Fox Golf Golf Gilet Golf, bonjour pour votre radio. 6 mètres de secours, on est à 360 pieds. Merci, je crois que l'école va vers 402 personnes à bord, actuellement au pont, qui va prendre novembre pour rouler jusqu'au point d'attente 2016, on est dans la tolérance. Et ben, on va pouvoir s'attacher. Bon, le papa libère la 26 heures dans 5 secondes. Donc on va mettre une mise en route.
45. Fox Novembre Québec, RP 28, parking Alpha Aviation, deux personnes à bord pour un vol à destination de Melun. Je roule point d'attente de la 10h35, ouais. Québec Kilo, aligné 26h, je décolle. 4h, ça fait 14h35, quoi qu'il arrive, faut qu'on se pose. Ok. Mais je crois qu'on y sera quand même avant. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On est sur la 26, tout ce qu'on peut dire. Fox uniforme à la pompe pour quitter la fréquence. Voilà. Ok, à tout à l'heure pour les essais moteurs. Ok. Je règle les lunettes, sur le bas du nez, la casquette, je vois bien devant. Mes deux, je suis bien avant siège. Voilà. L'info, Fox Novembre Lima au parking tour, je roule, je rappelle le pré 26 du Fox Novembre Lima. On réessaye les freins, tout va bien. Bon, ça va, la tempête. Montez. Personne à droite, personne à gauche. Alors t'as vu, il n'a pas été à l'avitaillement, l'hélico jaune. Ah non, les deux SAMU sont posés, un autre qui va décoller. Ah ouais, un petit, d'ailleurs ça n'a rien à voir. Nouvelle information du Foxtrot Golf Mike Kilo Hotel, bonjour, je vais rouler via Tango Unité depuis le parking TAS pour rejoindre le point d'attente de la piste 26 heures. Quand on roule, on est plutôt à 1000 tours. Sur la ligne jaune. Hein. Donc là, on est numéro 4. 5. Fox Papa Solo pour des tours de piste au bord d'un Cessna 172 au parking Fly. Je prends le taxiway novembre au point d'attente 26 dur. Bon, on va se mettre, je sais pas où, là, à gauche, sans doute. Papa et Alpha, j'arrive au point Echo 12 Centre, je poursuis vers la verticale du Centre. Ouais, mais il a l'intention de te griller. Début de vent arrière à 1500 pieds QNH pour une sortie par Echo. Je maintiendrai le nord de l'autoroute. Ok, donc on va être l'autre là. À gauche. Line de Fox Uniforme Yankee au point d'attente 26 dur et puis je pars au départ. Line de Fox Uniforme Yankee, je m'aligne et j'attends. Ok, on est 1200 tours. Point d'attente, le moteur est pour ainsi dire haut. Alors. Laissez moteur la roulette de nez dans l'axe. On est toujours ouvert, pression d'huile. Toujours dans le vert, le moteur sur pratique au niveau après écho avant les hautes tensions. Commande tenue, pied sur les freins. Papa Alpha visuel également, on est en train de se poser. Ralenti stable, pas de détonation. Remets à 1200 tours. Marque un truc qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est que comme on n'a pas le frein de parc ici, tous les deux on freine en même temps. Ce qui
fait que si moi je relâche, toi tu peux relâcher, tu es en sécurité. Donc voilà, tu mets les pieds dessus et tu pointes deux pieds en avant. Voilà, comme ça. Oui, ok. On est deux en sécurité, c'est bien. L'information du Fox, je décolle, j'ai ma ligne en piste 26 jours et je décolle. Magnéto. Québec Kilo, je viens de passer Echo 1500 Kena, je prends 4 sud. Dans le vert. La réchauffe carburant, je l'ai repoussé. La mixture, elle est toujours en haut. Transfert carburant, il est poussé. On a bien temps et sonde à côté. L'autre, l'horizon artificiel. Ouais, c'est court. On est toujours à 1400. Fox, les gaufres alignés, puisque 26 jours, je décolle. Non. Québec Kilo, je quitte la fréquence, au revoir. Nord à gauche. Droite gauche. Et Fox, on va au Québec, on va sortir par écho, on est en 1400 pieds. Rappel de l'arc-calico. On est devant arrière et ce sera pour un toucher sur la piste 26 Gazelais. Fox Novembre Québec, je m'aligne et maintiens piste 26 jours. Là, on se remet 1200 tours. Alors, donc, j'en étais aux commandes libre compensateur entre 3 et 4. Libre compensateur, il est là. Ceinture et harnais pilote, passager attaché, volet à cran. Cran à gauche. La verrière très verrouillée. Les éjecteurs, ils sont bien en place. Pression d'huile, elle est dans le vert. Température, elle est clairement dans le vert. Pression d'essence, on est dans le vert. Bon. Bonne. Donc, briefing décollage, on est sur la 26 mur, on décolle, on va chercher ligne, 26 le tablier, on cherche 1400 pieds pour partir secteur est, et ensuite on va chercher la première route, 96. Donc on nous passera au sud. Donc, Renault Québec, on arrive sur le point écho, on quitte la zone 1 et on quitte la fréquence. Bon, voilà à tous. Sécurité, donc, papa, solo, donc je quoi que ce soit avant la rotation, on freine, on prévient, en cas de panne mineure après la rotation, on part circuit. L'un de Fox Téléphone en début de l'étape de fin en arrière pour la piste 26 de Gazelais. 26 durs avec un panne au contrôle. Mais... En cas de panne moteur après la rotation, 76-2, dérivage d'urgence, secteur avant, mais 26 durs et je décolle. En fait, dans la procédure, t'as tout un tas de choses à faire, mais c'est juste après le décollage. Fox Papa, solo, montée initiale, 26 jours. Le short pattern. Ok, on est d'accord. Bah, il sort 20 degrés, il n'y a pas du cockpit. Les checklists, Fox, les mecs, ils s'assoient dessus. Je rappelle vertical. Oui, il fait que des tours de piste, c'est bon. Ouais. Donc on va faire là-bas, on voit que là-bas il y a une couche nuageuse qui est... Delta Oscar, on est au parking HEP, on va franchir juste avant la piste en dur au niveau de novembre. On sait pas qu'on aurait du soleil au départ. Fox Gilles Golf, on débute devant arrière de la piste 26 Gazelais pour un touche. La carte au départ, elle est ici. Et des coupures micro. En dernier virage, je coupure micro. Ouais, chez toi. Ah bon? Ah d'accord, bah, c'est peut-être aussi parce que je parle pas assez bien de l'ordre. En terminale pour la 26 Gazelais pour un toucher. Alors la Ferté Gaucher, voilà, donc on va à la Ferté Gaucher et ensuite on suit la route pour la Cézanne. Ok. Je te laisse là. Ok, l'autre il est là-bas. Bonne info, Fox Novembre Lima, point d'attente 26 dur, je suis prêt, j'attends l'avion en courte finale. Ça passe en finale pour la 26 dur. Foxor, Québec, vertical des installations, 1500 pieds. Et le moteur formation du kilo hôtel, on est en montée. 26 durs, à l'issue, on se dirige vers un vol local, direction Chantilly. On rappellera Echo pour quitter. Hélicoptère, on est en 26, désolé. On est un autre, on est en 26, 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 on
un hélico en attente là-bas aussi. Et Fox Juliet Golf, on vire en base 26 dur. Pour un toucher piste 26 dur, on a pris les éléments de l'hélico et Land Fox et Sonorki en montée initiale, piste 26 gazonnée. Fox Fox Papa solo en vente arrière pour un toucher 26 gazonnée. C'est reçu pour le novembre Lima qui pénètre la 26 dur. Je m'aligne et je décolle. Une fois que la piste libérée par l'autre. Bonne info de Fox Golf Kilo Romeo Delta, bonjour. Bonne info de Fox Romeo Delta. Hélico Delta Oscar, on va traverser la dure pour rejoindre la piste en herbe. Duel sera pratique au nord de l'autoroute, sans plus bas. Lune information de Fox Romeo Uniforme, DR400 aux pompes, une personne à bord. Roulons, point d'attente. Donc on a la pompe, point de réchauffe. Volé. Fox à l'avant Québec, tout se libère. Sud-est et par le canal 121. Au revoir. Affiché. Allons plancher. Bonne fois devant Brolima, 26 dur, je décolle. Fox, je décolle sur le final de la piste 26. Le matin est actif, pas d'alarme. Bonjour, le Fox, sur Piper 28, on est 2 minutes du point, commis de sortie intégration, 26 dur. 54 nœuds, 70 nœuds acquis. On monte. Papa Alpha, je roule sur la taxi en direction Paris-Point-Héros. Bonne info, Fox Nord, Brolima, montée initiale. On est déjà 80 nœuds. Bonne info de Fox Rome Delta, à BR400 à 1 minute du Point-Héros. Je visuelle sur le BA28 qui est au nord de l'autoroute, je le double par la gauche, Fox Romeo Delta. Fox ça passe le haut en base pour toucher 26 gazonnés. Une pompe, plus de volée, pas de réchauffe. Fox et Sonorki en déjeuner arrière pour un toucher piste 26 gazonnés. Et Fox Juliette Golf en montée initiale 26 dur, on a un visuel de l'hélico sur notre gauche et du devant l'image devant nous. Lima, on passe le Nami, on va monter 1400 pieds pour sortir Echo. Fox Fox Papa solo en finale pour un toucher 26 gazonnés. Pas d'avion qui sera en courte, en verticale là. Non, je vois pas. Fox Roma Delta, verticale du point Echo, je me renforce verticale des installations à 1500 pieds pénal pour faire une intégration. Et du kilotel, donc on a le visuel sur vous, enfin sur deux appareils d'ailleurs devant nous, donc on est également quasiment vertical et 1500 pieds QNH. Et la Fox, Fox Yankee, on est derrière le remède Delta, on pompe 1500 pieds intégration verticale. Ça va, Alpha, au point. Bonne info, novembre, Lima, on est début de vente arrière, 1500 pieds pour sortir Echo, pas d'appel devant. Fox Uniforme Yankee, j'arrive en fin de vente arrière pour la piste 26 gazonnée. Visé sur les deux avions qui arrivent sur le terrain. Et donc du kilo de on prend un vol local direction Chantilly, on va quitter la fréquence, on est actuellement 1500 pieds QNH. Ok, visé. Bonne info de Fox Rome Delta, une minute verticale des installations à 1500 pieds QNH. Je visualise sur l'avion en base, je veux rentrer la verticale des installations à 1500 pieds QNH pour une intégration. Ok, je remets 1500. Et t'en as deux en haut et un en bas. D'accord, ok. Bon, ils sont en évolution verticale. Fox Papa solo en montée initiale 26 gazonnés. Fox Gina Golf en début de vente arrière de la piste 26 dur pour un toucher. Ok, on a la vitesse là. Fox Sonorki en finale pour la gazonnée. Pour 26 gazonnés pour un toucher. On est 2500 tours. Parti à 57. Bonne info de Fox Rome Delta, verticale des installations 1500 pieds QNH. Je rappellerai en début de vente arrière pour la 26 Fox Rome Delta et des visuels sur le trafic en montée initiale. Ok, lui il est bien actif, tout va bien.
Fox, Fox Yankee, on a 30 secondes à la verticale, puis 60 pieds également, on a visuel du robot Delta, on s'en fait pour radia, il y a rendu bien, on va voir plus dur, point complet. Bon, j'imagine que Thierry nous suit sur... Bah là, il partait à l'aéroport, mais à mon avis, il va être un peu en avance. Hein. Ouais. Bonne info, Fosson, Volima en 10 minutes, l'Est 2, Echo, on va se diriger sur Cézanne, au revoir, bonne journée à tous. Par contre, 2005, là, voilà. Fox Rome uniforme au point d'attente 26 dur, nous nous alignons et décollons pour des tours de piste. Bonne info de Fox Rome Delta en traversée, je descends de la première route, c'est du 96, bienvenue en service. Devant arrière pour la 26, Fox Rome Delta. Pour prendre la route là. Fox uniforme anti en montée initiale de la piste 26 Gazonnet. Fox Gilet Golf en fin de, d'étape de base de la piste 26 dur pour un fixer. On a 5 nœuds latérales, 5 nœuds dans le dos et 12 latérales. Donc on est un poil poussé, mais pas ralenti, donc c'est déjà bien. Fox Gilet Golf visé sur ce trafic en début vent arrière, je viendrai me positionner juste derrière. Fox Fox Papa Solo en vent arrière pour un toucher 26 gazonné. Fox Gilet Golf en finale de la piste 26 tours pour un toucher. Bonne info de Fox Rome Delta en début de vent arrière pour la 26, je rappellerai en base pour la 26. Fox Rome Delta. Doc, je reviens papa, bonjour au parking planaire, je roule pour la pointe d'attente. Ok, donc on a passé notre ligne de chemin de fer du retour là. Ouais. Fox Rome Delta en montée initiale 26 dur pour un toucher. Voilà. Fox, on est au milieu de l'intérieur, on va à droite, 26 dur pour un conducteur en base. On a dit 0,96. On a 15 nœuds, facteur de base 0,5, ça fait 7 degrés, 96 degrés. Ligne info, hélicoptère Delta Oscar, on a passé l'écho, on sort vers l'est, ensuite, bonne journée. Comme ça, et on suit la route, là. 25 minutes, maintenant, ouais. Fox uniforme Yankee en début en arrière, et on pour un complet piste 26 heures. Ouais, 20 ou 25. Fox Fox Papa Solo en base pour un toucher 26 gazonné. Fox Gilet Golf pour monter initiale 26 dur, on va se reporter 1500 pieds vertical terrain pour l'exercice de PTE sur la piste gazonnée. 25 minutes c'était le timing avec le départ, tu sais. Bon. Bonne info de Fox Rome Delta en. Début de base 26, je rentrerai en final 26 dur et ce sera pour un complet Fox Rome Delta. La batterie, l'alternateur, il est vert. Fox Fox Papa Solo en finale pour un toucher 26 gazonné. On a un grand speed de 127. Fox Rome uniforme en début de derrière 26 dur pour un toucher. Ok. On a Coulomi à gauche là-bas. Ouais. Donc là. Bonne info de Fox Rome Delta en finale 26 sur Jorin, elle va piste dégagée Fox Rome Delta. Donc on a dit 14 nœuds, on se remet 103, 104. On va rester parallèle. C'est pas grave, au contraire, c'est mieux de ne pas être sur la ligne. Okay. On comprendra pourquoi quand on arrivera à... Cézanne. Paris Information du Fox Tower Brelima, bonjour.
Fox, novembre Lima, Paris Information, bonjour. Paris Info, donc du Fox Golf novembre, novembre Lima, un DR400, deux personnes à bord. Nous quittons Logne pour un vol à destination de Nancy, Sierra Novembre. Passons en fréquence avec vous pendant une dizaine de minutes. Novembre Lima, le transpondeur 70-17. Paris Info, 70-17 affiché pour novembre Lima. Alors je vais prendre la carte. Donc là on est sud Coulommiers. Novembre Lima, vous êtes identifié. Bien reçu pour novembre Lima, merci. Caméra tourne. Non. Alors la première altitude c'était 2000 pieds. On va pouvoir grimper un petit peu. Et Golf Mike Kilo, Paris Information. Golf Mike Kilo, ahead. Golf Mike Kilo, for information, opposite traffic 12 o'clock. Presently 400 above and 3 nautical miles. Ouais, 2005, tu le fais pas, hein. Contrôle de Fox Golf Mike Delta Romeo, niveau descente vers dessus, 2500 pieds de Nautilus 14, bonjour. Bon, voilà, coulo derrière à gauche. Fox Delta Romeo, Paris Information, bonjour, je vous écoute. Fox Golf Mike Delta Romeo, Sirius Center 22, 3 personnes à bord en provenance de Lyon-Bron vers dessus, 2500 pieds PNH 1014. On a un fierté gaucher devant là. Ouais. Delta Romeo, le transpondeur 70-12. 70-12 Delta Romeo. On est 2100, on a l'impression qu'on est au-dessus des pâquerettes, tu sais, au risque. Ouais, mais bon, je dis la 2005, tu le fais pas, hein. Ouais. Alors Delta Romeo, Paris Info. Delta Romeo. Alors vous êtes identifié, vous avez connaissance des zones mémorables aujourd'hui? Je pense qu'à mon avis, t'as un mur de flotte devant, là. Ouais, mais ça c'est le secteur de batterie, c'est entre deux, c'est ça? D'accord. Alors on en fait, le terrain là-bas. Toussu sur mon scope est inclus dans une des zones, je check ça. Là, on est là, ouais. La batterie est là. Nous, dès qu'on arrive ces dates, on oblique. D'accord. Ah, tiens, regarde. La ferté gaucher là, et ta gauche. Ouais. On est symétrique, on est dans le vert. On affiche 2005, on a même 120 nœuds, grande speed de 135, voilà, ça s'appelait ça. 8, arrière, on est en
pour le... Au Vario, je sais pas pourquoi. Le kilo pouce. J'ai perdu son tour. À mon avis, tu vas devoir te rabaisser un peu. Bon. Ah, mais là, t'as le mur qui arrive. Alors, Delta Romeo, Paris Info, donc on a eu Villacoublelle et la zone a été désactivée. Hein. Alors, l'altitude de sécurité. Vous entendez des appareils en retour de enfin en local. Villacoublelle est activée. Non, la zone de Villa n'est pas active non plus. Hein. On les a eu en direct et donc tout a été désactivé il y a 20 minutes. Parfait, merci, Delta Romeo. Paris Info du novembre Lima pour un QNH régional s'il vous plaît. En novembre Lima, 1014 QNH régional. 1014, c'est ce qu'on a affiché, merci. Et novembre Lima, vous allez pouvoir quitter, passer avec Seine, 123, 125 et 7000 au transpondeur. Donc on passe avec Seine, 123, 125 et 13000 au transpondeur. Négatif, 120, décimal, 325. Ça me semble bizarre, 120, décimal, 325, c'est reçu, merci. C'est bon, on passe à la séquence. Merci, au revoir, bonne journée madame. Merci vous aussi, au revoir monsieur. Volontaire en fonction. J'ai pris l'info, merci monsieur, je vous rappelle en défense. Bien, à tout de suite. Delta Echo, Kilo Lima, bravo. Delta Echo, Kilo Lima, bravo. Est-ce que vous pouvez faire encore une ligne direct Clermont, Charlie Fox de Delta? Quel point vous soulevez? Seguin, Delta Lima, bravo. Seguin, what point you want? Clermont-Ferrand, Charlie Fox Group Alpha. On a le vent derrière, il faut la plupart du temps. On va aller Charlie Fox Alpha, oh, what point? Donc, théoriquement, on avait une arcade à l'autre. Il y a, on va pas faire un pas Alpha. On va pas faire un pas Alpha. Ok. Charlie Mike. 2005. Good morning, go for India, you stand Yankee. Ok, normal. Standby. Je me disais, je vois les éoliennes un peu trop. Bah oui, forcément, ouais. On est à droite du circuit, de la trace. C'est une information du Fox Novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, bonjour, je vous rappelle. Delta Echo, Kilo Lima, bravo, direct Charlie Fox Alpha. Direct Charlie Fox Group Alpha, Delta Lima, bravo, merci monsieur. Uniform Yankee, Andes Flake, bonjour. Fox Bravo, India, Uniform Yankee, PA28, departure Chambry, Lima Foxtrot, Lima Bravo, destination Mizuki, Lima Foxtrot, Alpha Tango, 75 miles south of Lima Foxtrot, Oscar Kilo, 5000 feet, QNH1017 with a VFR flight plan, persons on board. Fox Bravo, India, Uniform Yankee, identified, scope 3457. 3457, Fox Uniform Yankee. Novembre Lima, bonjour, j'écoute. Bonjour, Fox Golf, novembre, novembre Lima, DR400, deux personnes à bord. Départ Logne, destination Nancy, Sierra Novembre, on est 1900 pieds. Transpondeur, c'est juste pour passer en séquence avec vous. Novembre Lima, c'est noté, identifié, transpondeur 3404. Saninfo, Novembre Lima, affiche 3404 au transpondeur.
bah, je suis surpris, je m'attendais à voir cette route là, mais elle n'y est pas. De quoi? La route qui est là, là. Je m'attendais à la voir, mais non. Donc là, on passe les premiers champs d'éoliennes. Ouais. Il y a d'autres à droite, un peu partout. Ouais. Là-bas, on a nos gens. La centrale. On est vertical nos gens, donc on est bien par là. Et on va avoir externé, bah, gauche là. Un peu de Ce que je ferai à ce moment-là tout à l'heure, c'est que je te montrerai comment on peut... J'écoute. Application de météo là. Ouais. Comme ça on aurait tous les bêtards en direct. Enfin, tu m'iras viser là. Ouais ouais, mais il faudrait que je la télécharge. Non non, même pas, c'est sur un site. Ah, c'est sur un site. Tu crées juste un compte. Alors donc on a Grande Forêt. Passer par là, on a des éoliennes à droite. Par là. Par contre, à partir de LFFZ, c'est plus lui qu'on suit, hein. Notre ouais. Route à nous. D'accord. Donc là, comment il s'appelle? Le SDVFR va pouvoir servir. Ah, et ben je vais le charger après. Pour une fois, on pourra l'utiliser. On a quelques gouttes. Ouais, ben tu vois, ça tombe là. Ouais, c'est ça, voilà. Droit devant. Tu vas au fond là-bas? Ouais. Non, c'est pas le terrain. C'est pas le terrain ça? Ah non, non, c'est une piste gazonnée. Alors, ah ouais, effectivement. C'est un ancien. Ah ouais, sur la gauche, la ville, elle est plutôt par là. Ça devrait plutôt être ça. Ouais. Et le terrain, il est quelque part à gauche. Par contre, non. Alors j'ai un visuel sur quelque chose, je sais juste pas si... Par contre, ça c'est ce qui m'intéresse justement. Donc c'est grâce à ça, le truc. Sauf que le terrain là, bon, c'est l'ancienne base en Marigny. Ah oui, d'accord. Maintenant en fait elle est plus utilisée depuis très longtemps. J'ai regardé hier, on a que des panneaux solaires. Ouais, ça y est, c'est pour ça qu'on a les deux axes. Ils nous font des appels de... Oui, d'ailleurs, c'est des... Là, c'est bien le terrain de Cézanne. Donc on y passe, il est pas. Donc 11h45 à 5. La route suivante, c'est du 102. Plus ça... Là, c'est 109. Hop là. En fait, ce que j'allais dire, voilà, tu vois, déjà pratiquement aligné. Voilà. 109. 110, 109. Et en fait, l'axe de la piste nous donne l'axe pour atteindre le point qui nous intéresse. D'accord. À un degré près. Ok. Un pneu devant dans l'arrière. Donc tu vois.
quoi c'était l'information de tout à l'heure là? Voilà, donc celui-là faut plus du tout s'en faire intéresser. En neuf, on le voit le terrain en dessous là? Ah ben il est là, droit devant. Bon, donc là je vais passer assez à gauche. Ça faisait je sais pas combien de temps que je voulais le voir. Là je me suis dit bon allez, aujourd'hui c'est l'occasion. Ouais. C'est bon. Donc tu vois ça c'était ce qu'annonçait le. Bon, est-ce que le bétard il en parlait? Non il peut pas l'annoncer, c'est annoncer aussi le taf. Vous voyez qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Enfin qui allait pas, qu'il y avait et où, un peu comme ça, tu vois, justement. Ah, d'accord. Batterie derrière à gauche, tu vois. Alors on va revenir par là-bas, en fait. Bon, alors... Delta Echo, Kilo Lima, bon labo, contact Clermont, 1-2-0-6-6-7-5, bye. On est 1800, donc c'est bien. Donc voilà, elle fait 2 km, je crois, la prise. Delta Lima Bravo négatif 1-2-0-6-7-5. Et là pour s'y poser ça devient un peu compliqué quoi. Je vous tire activité parachutisme à Saint-Florentin, je vous suggère la verticale du terrain. Bon, alors on a dit qu'on prenait 109, on va passer légèrement sur le nord-est de Saint-Florentin, merci pour l'information, en votre disposition. Je suis dessus là, voilà. Bah, okay. Alors là j'en ai dépassé, hein. Ouais. Je peux la couper? Bah ouais, tu peux. Donc, je vais faire caméra en route. Hein. Elle fonctionne, synchronisation. Ok, caméra gauche, mis à 11h27, 23. Ok. Donc l'altitude de vol prévue c'est 2200, on est 1800. C'est encore plus comme un Q&A. On va remonter un petit peu. Connect 1014. 1014, go for comics, thank you. On a nos compensations, c'est bien. Ok, on est pile sur la route là. Ouais, ouais. Donc je l'ai mis, là je l'ai visuel, l'autre en secours, on verra bien. Donc là, tu vois, on est passé ici, là, Marigny. Ouais. Donc là, on file tout droit, on va passer sud Vatry dans pas longtemps. D'accord. Donc on passe au-dessus des champs d'éoliennes, voilà, donc on est dans le secteur de Vatry. Et on a de la pluie comme prévu. Voilà. Donc zone batterie. En gros, on va avoir deux choses intéressantes à voir dans quelques minutes. La première, ça sera sur nous. Pour information de la zone Roméo 6 Alpha, ainsi que les Roméo 15 sont activés samedi également. Vous parliez à Novembre Lima? Novembre Lima, affirme pour vous informer de l'activité dans la R6 Alpha, les Roméo 15. Et les zones de Saint-Dizier. Donc elles sont actives alors? Affirme. C'est bien reçu, merci. Ah ouais, donc il faut l'éviter. Ouais. Bon, alors, on réfléchit un petit peu. Les drones aussi sont actives, il faut qu'on passe par là à gauche alors. Roméo 6 qui part active le week-end, je crois pas.
14. En 34, 75. Bah, tu vas passer au nord de Saint-Dizier ? Ouais. Non, non, pas au nord. Bien sûr. Donc c'est l'info du novembre Lima. Novembre Lima, j'écoute. Donc c'est l'info, novembre Lima. Donc on contourne la Roméo 6B par le nord, donc on va passer au-dessus de Vatry et on contactera TMA Saint-Dizier ensuite. Novembre Lima, c'est la R6 Alpha qui est active. R6, alors répétez, j'ai pas compris. Bah j'ai parlé de la R6B, mais je confirme que c'est la Roméo 6 Alpha qui est active. D'accord, ok. Donc on va contourner la Roméo 6 Alpha et on verra ensuite pour reprendre peut-être la navigation. Confirmez votre attitude. Donc là on est 2540 pieds. Si vous restez sur ma fréquence, je vais prévenir Vatry. C'est bien reçu, merci. De Fox Papa Triple Zulu, bonjour. Fox Papa Triple Zulu, bonjour, je vous rappelle. Bon ben c'est nouveau ça. Et là tu vois, c'est vraiment génial pour ça. Ok, donc là on a une tangente là. Ouais. Ah. Vatry, je le vois même pas. Ah ben voilà, c'est ça. Fox Papa Triple Zulu, bonjour, j'écoute. Fox Papa Triple Zulu à l'enfer, donc Fox Papa Zulu. Zulu à l'enfer en provenance de Lima Fox Bravo Echo à destination Lima Fox Golf Sierra pour un transit dans vos zones à, au niveau 45. Je viens de passer Vatry et j'aurais aimé savoir l'activité des zones R5. Donc c'est très plus lourd, j'ai pas reçu la fin du message, vous souhaitez connaître l'activité de quelle zone? Les zones R4, s'il vous plaît. Reçu, les zones R4 qui ont été remplacées par les CETAS ne sont pas actives. Merci, alors je vais quitter la fréquence. Reçu, à surveiller la Roméo 175 Alpha qui est active. La Roméo 102. Négatif, Roméo 175 Alpha. En voilà en tangente. Je vois pas très bien là. Triple Zulu, je confirme la zone Roméo 175 Alpha qui se situe au nord des zones. Je vois pas très bien, mais comment dire, on a des... 175... Non, militaire qui est là. C'est bien pris pour... Ouais, c'est possible, tout à l'heure, là, ça aurait bien vu. C'est ce que je voulais dire, justement. Quitter la fréquence, bonne journée, au revoir. Premier point que je te disais. Donc là, on est au-dessus de la CTR... On passe au-dessus de la CTR de... Patrie, là. Et... Donc c'est Zulu Sierra. Zulu Sierra, j'écoute. Zulu Sierra, le largueur en montée. Je vous suggère de prendre 10 gauche pour bien éviter la zone de Saint-Florentin. 10 degrés gauche, Zulu Sierra. Merci. Salon, bonjour, le Charlie Lima, on fait 105, 142. Donc c'est Golf Oscar Charlie Lima, reçu, rappelé avant le premier largage de 105. Et confirmé 145 ensuite. Là ça se voit bien. Confirme, rappeler avant le 105 et après c'est le 145, c'est correct. Là en fait toutes ces routes, correct, ça c'est des chemins, des choses comme ça. Avant le 105. Pour les blindés et compagnie. En fait c'est la zone de Chalon. Ah ouais. Ouais, il me semble. On est juste au-dessus de la CTR de Vatry. Là ouais. Tu vois, regarde. Les éoliennes, elles sont hors de la zone. Donc en gros, si on va au-dessus du champ des éoliennes, on est au-dessus. Donc là, on voit bien que... Enfin, on voit bien. Parce qu'on le sait aussi un petit peu, hein, sinon ça fait un peu bizarre. Là, on est vraiment en tangente, hein, t'as vu? Ouais, ouais. C'est pas ce truc, hein. Voilà. Moi, je vais prendre quelques degrés. Je vais viser là-bas. Bonjour, Fox, c'est une question de toi.
Delta à droite. Delta Yankee, Charlie Delta, bonjour. Ouais, il y a Charlie Alpha reçu, identifié rappelez-vous le largage au niveau 105. Passez l'avant, Charlie Alpha. On entend mieux l'heure. Ouais, ouais. Ça dure par moment. Bon. C'est l'info de Fox Papa Zulu Golf Romeo, bonjour. Répétez. Fox Papa Zulu Golf Romeo, bonjour. Papa Zulu Golf Romeo, bonjour. Fox Papa Zulu Golf Romeo, un D112, 8 personnes à bord, en provenance de Montbéliard, à destination de Montargis. Je vais bientôt passer 7 millions, je suis à 3500 pieds. De l'onde de mauvais temps. Fox Papa Zulu Golf Romeo, répétez le type d'appareil et le nombre de personnes à bord. Un C-112, je suis seul à bord. Fox Golf Romeo, c'est noté, transpondeur 3460. 3460. C'est un info du novembre Lima. Novembre Lima, j'écoute. Donc on vient de contourner Romeo 6 Bravo par le nord. On va prendre une route pour rejoindre notre trajectoire initiale. On va peut-être passer avec Saint-Dizier pour les prévenir. On doit être à 4 minutes de leur CTR. C'est correct, novembre Lima, contactez Saint-Dizier, transpondeur 7000. Bon vol, au revoir. Contact Saint-Dizier 134 775, transpondeur 7000. Au revoir, merci. Saint-Dizier du Fox novembre Lima, bonjour. Ah non, Lima, je vous rappelle. Donc tu vois, regarde, le point qui nous intéresse, il est là. Ouais. En gros, là, pour le moment, je surveille de ne pas rentrer dans l'AR6. Ouais. Donc à notre droite. Je vise le sud du lac. On doit y passer vraiment franchement au sud. Donc en gros, là, je vois que je suis au-dessus, à droite de l'AR6. Ouais. Je vise le point suivant, en fait. Après, je m'aiderai avec lui au besoin. En fait, l'AR6, c'est le terrain de Chalon. Hein. Ouais. Chalon, il y a vite... La Brienne, hein. Non c'est vite, François. Chalon il est un petit peu plus haut. Je peux pas au-dessus. Donc on a quitté la CTR, donc on est bien. On est en contact avec Saint-Dizier. On est loin, on est tranquille. On va pas dans la CTR, tant qu'il soit au courant. Et quand même. Alors, c'est passé. Novembre, Fox, je vous écoute. Novembre, Fox, j'écoute. Oui, je vous écoute. Ah, on vous a pas appelé, pardon. Ah, pardon. Pas pour moi. Ok, est-ce qu'il y a assez vite le François ? Une trajectoire comme ça, dans le pire des cas, donc là ce que je fais c'est que je tourne autour de la CTR, tu vois, ouais, pour être sûr de pas aller dans la enfin, autour de la R6 pour pas rentrer dans la CTR qui est là, les 1900 pieds. Donc en gros je vois ici, bah, elle est là. R, elle est là. Donc tant que j'ai pas l'autorisation, vu que je suis 2400 pieds, j'espère qu'il va pas oublier. Et tu l'as appelé, Saint-Dizier? Ah ouais, il m'a dit attendre. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, exact. Ah, ça fait une longue attente, de temps qu'il cause pas. Ouais. Je vais être occupé à autre chose. Bon, donc là, ce que je fais, c'est que je vais viser le bord ici, là, le bord là. Tu vois? En fait, ce point là, ce bord là, c'est sur notre trajectoire, regarde, t'as vu? Ouais. Donc en gros, là, je passe complètement en dessous de ce truc là, je sais pas quelle hauteur il est, mais il est haut.
Voilà. Alors l'altitude de sécurité sur le secteur c'est 2200 Bornier. Il dit qu'il y a du parachutage là-bas. Donc là on va couper la trajectoire. On tangente vraiment la CTR. Donc c'est dommage parce qu'on sera pas aussi près. S'il ne contacte pas, on passe pas aussi près de, du lac que prévu. Bon tu me diras 1 ou 2 km à gauche ou même 3. Ça change pas la donne. Monsieur Novembre Fox, transpondeur 7000, vous pouvez quitter la fréquence, au revoir. Monsieur transpondeur, à bientôt, merci, au revoir. Mon avis, t'as oublié hein, ce que je vais faire, je vais l'appeler. Je calcule, t'en as des petits temps là aussi, on le voit. Saint-Dizier du Novembre Lima. Novembre Lima, Saint-Dizier. Donc, Saint-Dizier du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, DR400, deux personnes à bord, départ Loigne, destination Nancy. À Novembre, on était sur une trajectoire initialement prévue pour passer sur votre point sud, Sierra, il y a sud Sierra, à destination donc de Nancy. Reçu, eh bien Novembre Lima, vous pouvez poursuivre. Pour information, les zones de Saint-Dizier se désactivent maintenant. Les zones de Saint-Dizier se désactivent, c'est bien reçu, merci, bonne journée. Bon, ben voilà. Donc on est bien. Ok, donc là tu vois on est ici. Je vais réintercepter la trajectoire prévue. Là, maintenant. Saint-Dizier répondeur, la CTR et les TMA de Saint-Dizier ne sont pas actives. Et donc, vous êtes en espace aérien de classe Golf. Le transit est approuvé à l'exception de la zone Papa 72. Pour connaître l'activité de l'aéroclub, contactez 122 décimales unité. Kiwi Saint-Dizier transmit. Okay, donc on va arrêter lui. Allez Lima, on approche 145. Oui, Charlie Lima, pas de trafic à vous signaler, rappelez fin de largage. Rappelez fin de largage, Charlie Lima. En pilote, on navigue sur pause. Donc pour moi c'était un 102 plus 112, 115. On doit être sur la trajectoire un peu de choses près. Altitude de sécurité, on stabilise. Là. Dans le coin plus tard. Alors là, normalement, après Saint-Dizier, on allait passer avec Strasbourg. La question, c'est de savoir where is Strasbourg. Voilà, 2300, ça va. Donc tu vas entendre janter le lac. Voilà, donc là, tu vois, je me sens un peu trop à droite. Ouais. 25 nœuds, ça fait 12. 12 plus 2, ça fait 114. Voilà. Là, on est sur la route. On va regarder. Hé, hey, regarde. Bah ouais, je vois. T'as vu? Ah ouais. Pas beau ça? Bon, ça va. Là, il te donne pas la même chose parce qu'il manque un point, c'est ça? C'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est pas le point. Oscar, Oscar Victor, hôtel. Pas le point Sierra. Bien, voilà. Traffic 2 o'clock.
Alors maintenant la question c'est qu'on va passer right to left, 400 CW. Ok, donc on est encore avec Je suis en gros Zulu Sierra, confirmez le type d'appareil. Zulu Sierra, Savannah, deux personnes à bord. Merci Zulu Sierra, et vous avez un hélicoptère dans vos 11 heures pour deux nautiques, gauche, droite, 300 pieds bas. Reçu pour l'information Zulu Sierra, je vais monter de 500 pieds. Reçu. C'est l'information, puis le rembourg Lima à nouveau. Novembre Lima. Alors c'est une info, le Fox Golf novembre Lima de l'air 402 tout à l'heure, nous sommes revenus sur la fréquence, ça disait vient de fermer CTR, etc. Donc on repasse en fréquence avec vous pour environ 10 minutes en attendant d'arriver sur Strasbourg aux environs de Neuchâtel. Ça aussi, Fox Golf novembre Lima, toujours identifié, transfert 3450. C'est une info, 3450 affiché pour novembre Lima. Et vous êtes identifié. Donc, alors, les temps il a un bloc là. On est sur les Charlie Lima, on libère le 115 en descente. T'as reçu Charlie Lima pour quitter tout à l'heure? Bon, ben c'est juste. Pour que vous allez en face, la police est en train de le lac. Roger. Est-ce que l'on a les 700 CW? Sous le Sierra, l'hélicoptère vient de croiser dans vos midi, il y a 10 secondes, là il est 600 pieds bas. Alors, reçu Sous le Sierra, merci pour l'information. Ok. Bon, j'ai décidé du point suivant, c'est bien. Bon, donc on a des ondées peut-être. Oui, bah oui, c'est Tango, la zone de parade Saint-Florentin est active, vous éviterez les environs de Saint-Florentin. On a le tir Champococ. Ouais. Et derrière là-bas, on a la base de Saint-Dizier. Donc on a la ville de Saint-Dizier, un peu par à gauche. La base, il me semble la voir, mais bon. Pour moi, là, un peu plus par là. En bout d'aile, là, en fait. Ah bon? En bout d'aile, ouais. Gauche. Bon alors, mon GPS déconne. De toute façon, regarde, la ville. Ouais, mais... La ville, elle est là, la base, elle est clairement sud-ouest. Donc là, elle est vraiment dans le bout d'aile, voire peut-être même qu'elle commence à être derrière. On a le canal, là. Donne un axe et la base elle est droite, regarde, on a le canal. Ouais, mais je... La base ouais. Elle est même un petit peu à droite de l'axe du canal. Ouais. On est dans le vert. On va pouvoir mettre le transfert carburant. Déjà consommé une vingtaine de litres. Ouais. Vingtaine de litres même. C'est le supplémentaire qui alimente le principal. Je vois quelque chose, là une zone qui est dégagée, c'est probablement ça. On est en 12. On va arriver sur notre point dans 2 minutes. Et on est parallèle à la trajectoire. Alors le point c'était quoi? Il y avait... Ah ben oui c'est pas compliqué, il y avait une ville. Ouais. Et là t'as une ville. Oui, bah t'es dessus là. Voici. Alors on fera un petit check. Bah, c'était prévu 11h45, finalement on n'aura pas beaucoup de retard. Le point suivant c'est le château de Montbras, 15 minutes. Donc c'est ça Sierra alors? Bah pour moi on arrive dessus là. Donc on a dit la route la suivante ça sera du 0,84 plus 12 96 donc on va virer 20 degrés à gauche avec même quand tu me surveilles monsieur l'instructeur ouais je regarde comme ça c'est...
Ah oui, non, mais t'as raison. Fox JL Charlie Romeo Mike, trafic midi, 4 nautiques, droite, gauche, un hélicoptère, 700 pieds bas. Ok. Je vous laisse Fox JL Mike, pas de diesel pour l'instant. On prend des spirales. Oscar, Oscar, November, Romeo, Golf, 1, trafic, 11 o'clock, 4 miles, left to right, 700 feet above you. I have a sharp lookout, at what altitude is flying? It's flying 700 feet above you. Okay, Roger, I don't see it yet, but I have a sharp lookout. Roger. On remarque que l'hélicoptère croise dans vos midi maintenant, 2 nautiques, droite, gauche et 900 pieds bas. C'est bien pris, Fox Romeo Mike, toujours pas de visuel, j'ouvre la ligne. Maîtrise, ouais. Voilà, quelques degrés, on sera bon, on a toujours 20 nœuds de droite. Hein. Ok, donc on est passé 47. Donc 47. Ça fait... Oscar, Oscar, November, Romeo, Golf, the traffic is just on your left side, 1 mile across. I have a visual, thank you, Oscar, Oscar, November, Romeo, Golf. Okay. You're welcome. Ok, là on prend la route. 84-12-96. On est parallèle. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire comme le truc qui est intéressant derrière, c'est dans un quart d'heure. À toi, c'est dans 12 minutes. C'est lui que j'ai marqué là. Ouais. Donc là, on va pouvoir tricher si on veut. Et on va pouvoir chercher ici. C'est le château de Bonbras. D'accord. Donc ça va imposer de faire un basse altitude parce qu'on va être au-dessus de radiation. Est-ce que tu appelles basse altitude? Okay. Oh, ben ça va. Bon, c'est sûr. Et que ça. On peut le faire sur le dos? Non, ça ne fait pas. Bon, alors, par contre, je suis pas fou, mais je suis un navigateur, donc je vais quand même essayer de faire mon boulot correctement. On va avoir une première route. Négative. Copy, sir. Thank you. Voilà. Ok, je suis remonté un petit peu. Pour essayer de passer, pour essayer de mettre mon bras à droite. Mon bras à droite. Haha, les bonnes scènes. Ah c'est bon, j'avais compris. J'avais compris. Bon. Non, ça devrait aller. Oui. Non mais je sais pas, des fois, 2600 pieds avant l'oxygène. Ouais. Bon, il est un peu gras. Alors on a tout... Ah bon, on a plus que 9 nœuds là. Ouais. Donc on va mettre un peu moins de... De dérive. 24 plus... Ouais, allez, donc là on a la route dont je parlais. Et on a les éoliennes derrière. Je pars sur cette route là, on va taper dans les... Voilà. C'est l'info de Fox Romeo Mike pour quitter à 5 minutes des installations de 3. On est sur la route. Je vais chercher Romeo Mike, 7 000 avec 3, info 123, 725, au revoir. On voit le canal. 123, 725, merci pour le service monsieur, au revoir. Si on fait ça, on est encore au sud là. On est bien au sud de la route. Hein. Bon, là. Donc on est sur la route mais au sud. Ok. Donc alors 80, je vais prendre 45 degrés pendant 2 minutes. Hein. Tout va bien. Ah l'air de rien, le terrain il monte hein.
Ouais, bah, c'est le seul endroit où vraiment on va avoir... Bah, c'est pour ça que je disais 2005. Et en quoi là, on est en bordure de Champagne alors? Non, je sais pas. Champagne, je sais pas, c'est plus derrière. Ouais, ouais, c'est pas ça, oui. On prend un petit peu d'eau. Ouais. Voilà, là on passe au-dessus de la trajectoire. Bon, mais c'est pas souvent qu'on vole avec de l'eau. Ouais. Là aujourd'hui, vu la gueule du ciel, c'est quand même difficile de l'éviter. Hein. Et c'est conforme à ce qu'ils disent, c'est des petites averses. Ouais, ouais, c'est ça. Bouillotte. Ouais. Vous guidez sur l'Alpha tout à l'heure. Bon, et puis là, le point de rosée, il est élevé quand même. Novembre Lima, vous arrivez en sortie, le transpondeur 7000 et la suite avec Strasbourg Info 119.45. Bon. 119.45 pour Strasbourg 7000. Merci, au revoir, bonne journée, à tout à l'heure. À tout à l'heure. From Lunéville. Oscar Kilo 57, Scope 4710, QNH 1016. 1016 and Scoping 4710. Ça fait 20 ans. Strasbourg Info, Fox Golf Bravo Victor Lima, bonjour. Fox Golf Bravo Victor Lima, bonjour. Fox Golf Bravo Victor Lima, DR 402 personnes à bord, départ de Hapsheim en direction de Lunéville, descente à 5000 pieds. Et vertical 110. Victor Lima, transpondeur 4710, QNH 1016. Voilà, 47-10, QNH 1016, c'est noté. Fox Victor Lima. Alors là, pour se poser, c'est forcément à droite dans les champs. Ouais. On a une ligne de tension là. Voilà. Ouais, juste en dessous là. À droite. Fox Victor Lima, vous avez visuel sur le DR400 qui vous précède dans vos 11h, un nautique 1000 pieds plus haut. Fox Victor Lima visuel sur le Delta Novembre. Les champs d'éoliennes là. Devant. Ouais. Et ligne de haute tension à droite. J'ai envie de dire qu'il y en a un peu plus que sur la carte. Fox Delta Zulu qui tire plus tard. Alors comme on est en plein dedans, ben... Vous appelez Delta Zulu? Fox Delta Zulu, quitté à tout à l'heure. On est encore au arcage. Strasbourg Info du Fox Novembre Lima, bonjour. Fox Novembre Lima, bonjour. Strasbourg Info du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, DR400, deux personnes à bord. Départ Logne à l'FPN, destination Nancy Sierra Novembre. Nous sommes 2700 pieds pour passer en fréquence avec vous. Fox Novembre Lima, transpondeur 4710, QNH 1016, rappelé en vue pour quitter. 4710 affiché au transpondeur pour Novembre Lima, 1016 au QNH, merci. Strasbourg Info du Fox Hotel Echo, on vit des installations de Nancy, demandons l'intervention si c'est la fréquence, c'est passé avec Nancy. Fox Hotel Echo, information de parachutage en cours à Nancy, le largeur est en l'air. Okay. Transpondeur 7000, contactez Nancy. Ouais, mais Thierry... 7000, merci monsieur, à bientôt, je contacte Nancy. Ok, donc on est... De Fox Delta Novembre pour le château de la descente vers Lunéville. Ah ouais, Fox Delta Novembre, rappelez en vue de Lunéville. On prend de 500 pieds de sécurité, ça fait 1400. Donc on va dire à l'église. Il va falloir qu'on plonge 2000 pieds. Oscar Kilo 57, confirm, type of aircraft. Say again, Oscar Kilo 57. Un coup de frein à main. Oscar Kilo 57, say the type of aircraft. Ah mais là, c'est le plafond est vachement plus haut là. On a de la flotte, mais c'est plus haut. Donc on voit qu'on a quand même du relief là. Ouais, ouais, le relief. Oscar Kilo 57, donc là-bas, il y avait une grande... Oscar Kilo 57, Roger, I can open it. What's the time of departure?
Time of departure is 11:50 local. C'est pas grand recours qu'on passe là à droite. Pardon? C'est pas grand recours qu'on passe à droite là sur ton. C'est un vélo portier. Voilà. Si, grand recours le château. Bon. Ok, donc on est là. On est dessus là. Ouais. Là, tu as un château? Ah non, c'est plus loin. Ah d'accord. Maintenant, il y a peut-être un château là aussi. Hein. Donc le repérage va se faire de manière assez... évidente. En réalité, c'est tout sauf évident. Parce que... Bravo de Fox Victor Lima. On va passer au-dessus de la Beuse. Victor Lima, j'écoute. On souhaiterait descendre à 2500 pieds. C'est approuvé, Victor Lima, remplir un but. On va avoir le relief, la Beuse, et nouveau du relief, tu vois. D'accord. Victor Lima, vous pourriez répéter, s'il vous plaît. Là-bas, j'ai Victor laissé Lima, descend approuvé, rappelé en vue de Lunéville. Eh bien, on va faire Victor Lima en début de la descente, on rappellera en vue de Lunéville pour quitter. En fait, c'est pas celle-là que je cherche. Oscar Kilo, 5-7, your flight plan has been activated. Affirm, thank you, Oscar Kilo, 5-7. On est toujours vert. Strasbourg Info, Oscar Oscar Lima Echo, bonjour. Il est pas stable sur Android SDVFR. Hein. Mais Oscar Oscar Lima Echo, bonjour. Oscar Lima Echo, un Cessna 172 avec plan de vol, deux personnes à bord en provenance de Spa Echo Bravo Sierra Papa vers Nancy. Nancy, Lima, Foxtrot, Sierra, Novem, 3000 pieds, Squawk, 7000. Demandez-moi information. Hein? On a un Echo affiché dans 4710, QNH 1017. Un petit peu plus, mais donc on a les éoliennes qui sont QNH 1017, Oscar Lima. Donc ça veut dire qu'on arrive sur le point, et poussé par huit nœuds de vent, on a un grand speed de 130. Je vois qu'on va passer à droite de mon bras, parce que c'est la moindre des choses si on veut le voir à la caméra. Donc à mon avis, le patelin, il est derrière la colline qu'on voit là, tu sais. Voilà la forêt là qui est devant là. Ouais, regarde, bonjour, ça va. Et d'accord. Number Alpha Fox, bonjour, Québec, maintenance at level 100. Quebec at say 100 Alpha Fox. On a un pilote de ligne de tension qui se barre vers la droite. Celui qui est là. Celui qui est là, parce que le pilote il n'est pas indiqué sur la carte quand même, faut pas déconner. Ah, voilà. Là c'est peut-être la clairière que je cherchais là. Ouais. Qui est au nord de mon bras. Mais voilà. C'est plutôt celle-là. Je m'attendais à ce qu'il soit de l'autre côté de la pente. Donc c'est là où on va prendre moins 3G. Allez. On est 2 bits en pied, donc on est toujours bon. Un patelin. Merde. Notre droite là. On a des jolis petits reliefs là. Ouais, c'est mignon, c'est sympa. Ouais, ouais, ça fait comme, comme dans le Jura ici, là, reculé un petit peu. Enfin, c'est tout petit, hein. Ça fait un petit peu des reliefs un peu dans le sens là. 8 secondes. Reste tout 0,57 dans 2 secondes. Fox Delta Novembre en vue de Lunéville pour quitter la fréquence. Fox Delta Novembre, transpondeur 7000, quittez. Ah, déjà. Transpondeur 7000, au revoir. Bah, visuel sur le château, il est derrière là, à droite. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Bonjour, pour Alpha, with you again. Château moderne, hein. Donc ça, c'est lui qui nous a aidé là. Ok, ouais. Donc j'ai perdu. Victor Alpha. Maître Victor Alpha with you again, we are on the best approach at Lorraine and we are passing 2800 feet climbing level 60.
C'est plus une maison de maître qu'un château, hein. Ouais. Lima Victor Alpha, Roger, climb flight level 60, I call you back short with a shortcut, I am on phone with the Luxembourg. Lima Victor Alpha, we continue on the mission approach and climbing level 60. Alors en fait... Fox Victor Lima, en vue des installations de Lunéville, vous souhaitons quitter la fréquence. Fox Victor Lima, transpondeur 7000, quittez, au revoir. Je dirais pas qu'il y a des affaires d'arrivée estimée midi 20-25. Lima Victor Alpha, turn right direct Akelu. Lima Victor Alpha, right turn direct Akelu. Passons de Foxeco. Foxeco, j'écoute. Je suis en vue des installations de Bar-le-Duc, c'est pour quitter avec vous. Foxeco, transpondeur 7000, quittez, au revoir. Transpondeur 7000, au revoir. Ça pour info, Lima India Echo avec les installations de Verdun en vue. Lima India Echo, transpondeur 7000, quittez et pensez à clôturer votre plan de vol une fois au sol. Merci beaucoup, le courant. Merci, Lima India Echo. On va naviguer à vue aussi. Alors, je reste à droite de la route. Donc là, toi, tout à l'heure, je m'étais planté. Je savais qu'en faisant le plan de vol, il y avait un truc qui allait. Non. Je t'avais laissé la carte et tout. Je n'ai pas noté, là. Bizarrement, je n'ai pas noté. Ah, mais si. Je ne sais pas pourquoi j'ai merdé. Ah, bref, donc, E-X, c'est pas EZ. Donc là, je viens de me recalibrer sur X, pas EZ, donc. Ah, regarde, à gauche, là. Ouais. Fox Novembre Lima pour info, activité Vélivol dans le secteur de Pont-Saint-Vincent. Pont-Saint-Vincent, c'est reçu pour le Vélivol, nous sommes sud de Auchel. Ouais, il y en a de l'activité dans le coin. Ouais. Ok, Saint-Vincent. Donc là, tu vois à gauche, on a Auchel. Ouais. Donc la base. Ouais. Donc là, on est dans un secteur qui s'appelle Couteau Delta. Sur Instagram, je suis abonné à leur chaîne, hein, à leur chaîne, leur compte. Ils ont des images, même. Bon, bonne chasse, hein. Enfants régulièrement. Donc là, on passe, c'est prêt, peut-être un peu plus que ce que j'avais envie. Alors. Ah, t'as des beaux petits talus là à droite, hein. Ouais. Donc là, je m'éloigne un petit peu de Saint-Vincent. En même temps, et donc quelque part à droite. Ah ben tiens, Saint-Vincent est à droite là-bas. Parce que je vois, tu vois, une zone dégagée vert clair dans le vert foncé. Ouais, je vois là-bas. C'est probablement ça. D'accord. Ok. Donc là, maintenant, c'est du sur la vue. Par contre, il n'a rien dit sur LFEX, donc c'est bien. Alors, la prochaine route... Grosse route qu'on croise, c'est l'autoroute qui nous amène à Nancy. Je vais mettre la fréquence, 119. Ah, donc elle est déjà vue. Ok, voilà. Là, je reviens sur ce qui me semble. Trajectoire que j'avais prévu. Voilà. On s'est arrivé vraiment un peu au sud, tu sais.
pour avoir un temps de repérage sur Oscar Kilo 57, traffic Cessna 172 in your 12 o'clock, 7 miles opposite direction, 200 feet below water. D'arriver, tu fais en gros par là, d'abord l'autoroute, ensuite l'eau, la Moselle, et après tu remontes. Et ensuite de suivre l'autoroute en laissant bien Aslo sur notre droite pour arriver plus loin dans l'axe de la 03. Oscar Lima Echo, traffic VFR traffic in your 12 o'clock, 7 miles opposite direction, 200 feet above, watch out, report inside. La 03, on se déporte à droite. Looking out, Oscar Oscar Lima Echo. On va faire une verticale puisqu'il y a du parachutage. Oscar Kilo, Bravo Uniform, Alpha 57, okay, donc on est parallèle à la route. Bon, c'est bien. Oscar Kilo, Bravo Uniform, Alpha 57. Oscar Kilo 57, traffic Cessna 172 in your 12 o'clock, 4 nautical miles, opposite direction, 300 feet below, watch out, without in sight. Ouais, l'autoroute, il faut pas trop le tuer, parce que c'est ouais, faut pas se fatiguer. Ok. Donc tu vois, regarde, celui-ci s'est vidé. Rebonjour pour le 140 à Nancy FF. Delta Zulu, rebonjour, monté approuvé, rappelé avant largage. Appel avant largage, Delta Zulu. Bon, donc là tu vois, on a déjà nos zones d'eau là. Ouais. Donc en gros, quand on est sur l'eau, demande à passer avec, avec Nancy. Parce qu'on dit, Michael, le trafic est numéro 12, on passe à gauche, on voit des grandes surfaces métalliques. 300 feet above. On va y passer au-dessus. Oscar Lima Echo, on descend à 2800 pieds, mais on n'a toujours pas de trafic en vue. Alors la limite d'arrivée c'est 2200, on est 2015. Oscar Kilo 57, le trafic same position, 300 feet below, heading south. Trafic en vue, Lima Echo. On doit avoir Saint-Tré qui est sur la droite. Oui, exactement. On a une petite route là. Ça doit être ça, Saint-Tré, sans doute, ouais. Oscar Kilo 57, you're leaving my area. Squawk 7000, you can frequency and contact Luxembourg. Leaving your frequency, reporting 7000 and contacting Luxembourg. La voie déjà à gauche là. Alors c'est peut-être pas ce que je pensais forcément. En tout cas c'est bien, c'est vraiment bien. Alors ça, ça doit être... Strasbourg from Lima X-ray Alpha Victor Alpha, we are maintaining 6-7, flight level 6-0. Lima Victor Alpha, contact Luxembourg approach, 120.885. Ah c'est l'autoroute. 120.885 Luxembourg, goodbye Lima Victor Alpha. Goodbye. Fox Gold Zulu, bravo deux fois, vous arrivez en sortie, transpondeur 7000, vous pouvez quitter, au revoir. Merci monsieur, au revoir, bravo, bravo. Là on passe l'autoroute, hein. Ouais. On est au-dessus de l'eau, on a Aslo qui est pas loin. Ouais. Un info du novembre Lima. Novembre Lima, j'écoute. Bon, vous quittez et vous passez avec Nancy. Fox novembre Lima pour info, activité parachutage à Nancy, le largeur est en montée. Transpondeur 7000 et contactez Nancy. C'est bien reçu pour le parachutage, merci 7000, au revoir. Là-bas. Ok, alors on réfléchit, on est sur la trajectoire, on est au 10. Nancy Info du Fox Novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, Nancy Info, bonjour. Nancy Info du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, un DR400, deux personnes à bord, provenance Lod, destination vos installations. Pour un complet, nous sommes environ 3 minutes 6 nautiques au sud des installations. On vient de quitter Strasbourg qui nous a informé de l'activité parachutage.
Novembre Lima, c'est correct. Donc le terrain va passer en auto-information. Le vent 180 degrés 8 nœuds pour la piste 21 et le QNH 1016. Et effectivement, le largueur est en l'air pour effectuer sa mission. C'est bien reçu pour l'auto-info dans quelques instants. La piste 21 active. Donc on veille la fréquence pour le largueur en particulier. Visuel sur les installations en principe. Donc on va s'intégrer en début de vent arrière pour un complément gauche 21. Novembre Lima reçu. Hôtel Echo, donc 6 contrôles, première droite approuvée et le terrain passe en auto-information. Hôtel Echo, je peux sortir par la bretelle, je vais pas bien saisir. Oui, oui, pas de souci, Hôtel Echo, c'est ce que je viens de vous dire. Donc Hôtel Echo, première bretelle approuvée, c'est tout bon. Et il n'y a personne au roulage, donc vous rappelez dégager, il y a un autre appareil qui arrive dans le circuit. Ouais. Et bonne fin de journée. Merci monsieur, je n'avais pas compris. À l'intérieur, c'est comme ça? Non. Comme ça, ouais. Donc, je fais un essai novembre Lima, bonne fin de vol, à bientôt. C'est bien reçu, merci, à tout à l'heure pour le décollage. Donc dans ces auto-informations, Fox novembre Lima, on arrive quelque part en début de vent arrière, on est sur les grands étangs, on va s'insérer, donc début de vent arrière 1800 pieds pour un complet sur la 21 en bas gauche. Sortie de Fox Hotel Echo, piste dégagée, on roule pour le parc. On perd encore un peu de d'altitude. J'ai déjà mis la pompe, la réchauffe. On arrive en début de vent arrière, on est 1900 pieds. Bon, on est à la base qui est OK. Paramètres météorologiques de Nancy, essai. Vent. Unité 3, 0 degrés. Eau 2, 2, 0 degrés. Unité 0 nœud. Visibilité instrumentale. Unité 0 km. Température 2 unités. Point de rosée. Unité 2. QNH. Unité 0. Unité 6. QFE 9, 8, 9. QFE seuil piste. 0, 3, 9, 9, unités, voilà, QFE, seuil piste, 2, unités, 9, 8, 9, on est comme il faut, le truc faut l'éviter, là c'est une usine qui peut dégazer, alors, donc tu passes entre les trucs, tu fais le tour, c'est ça, voilà. Dans ces infos, Fox novembre Lima, on est 1800 pieds, en 1000 vent arrière, on est travers terrain, on va se poser donc en 21 à gauche, rappel base. Ok. 29 demi-tours. On est en bout d'aile. Sorti de Fox Hotel Echo, parc pour quitter. Voilà. On a quelques degrés de convergence. Ouais, je compense. On a 13 nœuds de vent arrière, donc on aura peut-être un peu de face. Ok, donc là on est 1300 pieds. Ah, on a les terrains de foot. Bien, on a le pain de sucre qui est à gauche. Hop, là, je retourne. Usine à droite. Hein. Usine à droite, donc c'est bien. Et haute tension, juste en dessous. Bon, finalement, 1900 tours, c'était un peu trop. 800. Donc par contre, il faut garder le 1800 un petit moment ici. On est quand même plus de 2 nautiques au nord du terrain. Ouais. Dans ces informations, Fox novembre Lima, on passe en base pour un complet 21 par gauche. Voilà, 82 nœuds. On contourne. Personne dans les environs. Terrain à gauche là-bas. La grande antenne avec LFEZ justement. Le terrain que j'avais pris, on est tombé ses parts. En pied. Voilà. On est toujours bien. Ça fait un zéro de minutes de largage.
On est un poil haut, je pense. Deux grandes volées, la pompe, la réchauffe. Ancien info, Fox Nova Bravo Lima, on s'établit, on établit final 21, on va se poser dans GT. Ok. On a un plan. Ça va un peu haut, mais c'est pas grave. Bon, c'est bien, ça paraît bien. 70 nœuds, on a 15 nœuds de face. Bon, on va garder 22. On reste dans l'axe. On fonce pas. On stationne. On reprend le plan dans un instant. Un petit 5 nœuds qui pousse de gauche. Rapide. Tranquillou. Pendant l'axe. Ah, dis-le. Début de largage à Nancy, essaie d'éviter la verticale. Fox nous envoie les mains déposées, on cherche Bravo pour sortir. It's a beautiful kiss. Pas trop mal. Un petit peu... un poil haut à un moment donné, je me suis eu un petit doute quand même, quand j'ai un peu... pas de la profondeur. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est quand j'ai commencé à vouloir me poser vraiment, j'étais un poil haut, j'ai... Ouais, j'ai vu, mais bon, enfin... j'ai redonné un tout petit peu du manche, tu sais, pour être pas trop... Ouais. Bon, on n'a pas tapé, hein, donc c'est... Non, non, c'est pour ça. Mais c'était juste une histoire d'appréciation. Après, c'est toujours un piège, hein, quand tu t'attends sur ton terrain. Ouais, les mêmes largeurs et tout ça. Alors, est-ce qu'on se met d'abord? Ben non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à l'avitaillement tout de suite. Ah oui, on va à l'avitaillement, ouais. Donc comme ça, on sera tranquille. Techniquement, on peut remettre, là. Il y a du spectacle. Ancienne information, Fox novembre Lima, la piste 21 dure et dégagée, on va rouler à l'avitaillement. On rentre les volets. Et on est posé, il est 20, tu vois, je t'avais dit entre 20 et 25. Un peu plus. Donc, il faut de largage en descente. Coucou au petit enfant. Non, y a pas... Bon, ben, je suis content parce que l'autre fois on a fait la 03 et là on vient de se... Ouais, je me rappelle, l'autre fois, on était passé au-dessus de la ville. Ouais, tout à fait. Semblé. Donc tu vois, on a un petit passe là, c'est bien. Ouais. Donc on reviendra au parking golf tout à l'heure. Regarde, il est là, il nous filme. Et où, monsieur? Là, à droite. Voilà, Nancy, là, hop. Ah ouais. Ça va. Oh, regarde, ils sont juste au-dessus de notre tête, là, c'est... Ah, j'ai pas vu. Il y en a plein ici, il y en a là-bas. Starter para pour Nancy SC, ah, petit ouais. Voile ouverte. Oui, vertical. Starter para Delta Zulu. Delta Zulu, tu peux répéter? Ouais, je t'appelle, bon, ça commence à s'épaissir là.
Écoute, on fait le point avec les moniteurs qui arrivent et on voit s'il faut temporiser. Merci. Azul, tu peux me donner une idée de l'épaisseur qu'on a ? Quatre mille pieds d'épaisseur ? Ah oui. De loin là, non ? Ah ouais, mais tu... Merci Delta Zulu, long final, piste 21. Donc info du Fox novembre Lima, on est à la vitaille, qui t'écoute, on reprendra l'écoute pour rejoindre le parking. On éteint ça, on coupe ça, ça, main droite. Ah. Bon alors, monsieur Jean-Luc. Bon, écoute, c'était très bien. Ça t'a plu ? Ouais, ouais, impeccable. Ah oui, nous avons envoyé. Attention, attention. Ouais, ouais. Je me suis dit, il faut faire gaffe et puis ouais, faut que je sens pas ma force. Bon, bah écoute, un bon vol. Excellent. Excellent. Belle improvisation aussi. Avec Roméo 6 là. Ouais. Là on revoit à nouveau évidemment tout l'avantage du. Ah bah de ces équipements, ça c'est sûr. Ces équipements là, c'est fabuleux quoi. Pas, à la carte, ça serait pas la même chose. Ah bah c'est plus compliqué, ouais. Ouais. C'est plus compliqué. Donc formidable. Bon, notre Thierry, il doit être là. Là. Ouais, donc, finalement, bah, tu vois, il nous suivait. Ah ouais. Je pensais qu'on arriverait à, si on décollait à midi, à 10h30, on arriverait à midi. On est parti à moins 45, 50, quelque chose comme ça. 10h57, tu vois. Donc on est arrivé. Donc ce qui veut dire qu'en fait, on a mis à peu près le temps qui était prévu au log. Hein. Ouais. Tu vois, c'était soit 80 minutes, plus un petit peu d'errance à un moment donné. Donc ouais, on est globalement dans les temps. Voilà. Ok. Pas mécontent aussi. Et les parachutistes se posent. Il y en a un joli spectacle. Bon, on se dit à tout à l'heure. A tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Ah, tiens, je vais refaire une petite synchro aussi.